C'est quoi la chose la plus embarrassante qui t'est arrivée? Je me rappelle que j'étais allé, je voulais vraiment voir une fille, puis je cherchais une façon de l'inviter. Puis fait que j'ai trouvé, il y avait un band qui était en show à Québec, pas loin. Fait que okay. Je l'invite à aller là. Puis j'étais dans une période de test de nouveaux déodorisants. Déodorisants? Oh, un nouveau déo. Mais tu sais, là, on en parlait l'autre fois. Un déo bio genre. Hey, chantes-tu? Puis tu sais, comme toute la soirée, j'étais vraiment, ça pue, là. Puis jusqu'à temps que je me rende compte que finalement, c'était moi qui puais, j'étais mal. Puis elle a pas voulu me revoir. Mais je suis pas mal sûr que c'est pour ça. Sûrement qu'elle s'est dit, bon, ben, ce gars-là pue dans la vie. Fait que là, après ça, elle m'a vu à la TV et elle a dit, il pue, man. Moi, je le sais, ce gars-là pue. Man, là, je pue dessus. Il sent bon. C'est quoi qui turn off automatiquement chez une fille? L'accent, mais ça te met. Entendez-moi bien. L'accent. Ben, une fille qui sait pas parler. Comme moi, là, maintenant. Non. Ça, c'est correct. Tu sais, là, des fois, tu croises une belle fille puis là, elle a dit, je t'ai allée rouer, là, pis là, t'es quoi? Ouais, fait que ça, je pense, le langage. Ou par écrit. Si tu m'envoies un message puis qu'il y a 16 fautes dans ta première phrase, c'est sûr qu'on peut pas, on n'est pas compatible. Ouais. Ça me prend un minimum. Ça me prend un minimum. Toi? Les gars qui font des vidéos en chess Facebook, là. Fuck. T'en as déjà vu de ça? Je vais aller supprimer de quoi, excuse-moi. non, ben moi, je peux pas me prononcer là-dessus, mais ouais. Toi, c'est loin d'être la fin du monde. Moi, je n'y vois que du noir et personne ne peut me répondre. Les jours passent comme les années. Sans trouver entraîner seul dans la tempête. Le cœur à long, je redescends plus loin qu'hier. Ça se bat dans ma tête. J'ai beau nager, mais tout me ramène en arrière. Dans la tempête. Si tu pouvais changer quelque chose chez toi, qu'est-ce que tu changerais? Chez toi, pas dans ta maison, mettons sur toi. Comme sur toi, ça peut être physiquement, ça peut être ce que tu veux. Ça peut être ta personnalité, ça peut être un défaut que t'as, ça peut être... Ben écoute, ce qui est arrivé là, c'est que... moi, je suis quelqu'un que j'ai beaucoup de... Je pense que j'étais quelqu'un qui était trop insécure, mais que je m'améliore. Okay. Ça faisait en sorte que je me bousillais moi, mais aussi les gens autour. OK. Mais, on dirait que c'est Kevin, super deep ce que tu dis, mais là, je crois pas. Non, c'est ça. C'est surtout tannant pour les gens. Mais plus en relation, parce qu'avec des amis, c'est pas pareil, là, mais en relation intime. Ouais. Mais, tu sais, comme quand on va jouer au quilles. mais je m'améliore, je pense. Ça va bien quand même. Ben moi, je suis une fille impatiente. Je prends un petit peu plus de patience, des fois. Tu sais, ça dépend pourquoi, mais souvent, quand ça va pas assez vite, ou j'ai pas tendance, mettons, là, à être minutieuse puis à gosser sur quelque chose pendant longtemps pour trouver comme pourquoi, c'est quoi le problème. Je peux être le genre à faire. À mon chum, arrange-toi avec arrange-toi. Ça. Deal avec ça, moi, je devrais faire avec ça. Que, ben, en même temps, s'il y a quelqu'un dans le couple qui peut dealer avec, c'est quand même pas pire. Ah, est-ce qu'une fille a le droit de péter? Tu l'as mis dans l'autre vidéo, on le fait pas? Non. On le fait, OK. Tu veux répondre. Non. OK, bon, ben. Est-ce qu'une fille a le droit de péter? Ouais. Oui. Mais je trouve que comme un gars, puis je mets la même règle à tout le monde, il y a des limites à péter tout le temps. Quand t'étais petit, qu'est-ce que tu voulais être dans la vie? Quand j'étais petit, j'ai toujours voulu être musicien.
genre ou acteur. J'arrête pas de dire que je serais acteur, mais... Ouais, ça, acteur ça de... Mais j'ai toujours voulu être musicien. À 8 ans, tu sais, je m'imaginais des... Je me rappelle, là, j'étais dans ma chambre, puis j'imaginais faire des clips. Tourner des clips avec... Puis je composais des tunes. Dans l'autobus, je composais des tunes pour les petites filles, puis... Pour les petites filles. Puis non, j'ai toujours fait ça. Si tu pouvais vivre dans la peau du sexe opposé pour une journée, que ferais-tu? Qu'est-ce que tu ferais, Mel? Tu sais, là, en tournée, là, on est souvent dans une van, puis moi, j'ai une vessie. Pas évident d'être une fille dans une van. Avec des gars qui disent, ben là, encore, ça fait une heure qu'on vient d'arrêter. Fait que moi, sincèrement, je pisserais de bout. Tout le temps, hein? Il y en a des... Bruno, mets-le, montre-le. Le petit signe. Oui, je sais. Et toi, Lolo? Hey, moi, si j'étais une fille, ben, c'est à cause que, tu sais, je vous dirais plein de choses, là, mais... ben non, mais si j'étais une fille, je serais cochonne. Genre, non, mais... Je sais pas que ma mère aime moi, c'est ça. C'est toi qui t'es amené là. C'est pas une bonne question. Ils étaient bois, ils étaient vent. Ils étaient là, même avant. Tout se savait, même les moins grands. Qu'ils étaient maîtres et parents. Les nouveaux rois des méprisants, ils se pavanent face au vent, rêvent de gloire, mais pas d'enfant. Pour nourrir leurs âmes suffisants, je pleure. Les géants ne tairent. Je pleure. Les géants ne boivent. Je pleure. Je pleure, les géants ne boivent. C'est le temps de la conséquence. Stressée, moi je suis stressée pour toi. C'est le temps que tu aies acheté des talons hauts. Tu dois les essayer. All right. T'es-tu game? Ah oui, je suis game. T'es game? Yeah! Parfait, on fait va aller mettre des talons hauts, les gars. Besoin de savoir c'est quoi la plus grande taille que tu as pour des talons hauts. Ah, parce qu'on a, on voit les tailles ici direct, là, c'est ça? Ouais, mais non, 50% de nos bras sont en haut. OK, là, comme ça, ici, t'en as un en 11. La boîte est là. Comment tu trouves ça? Ça marche, ça marche. Moi, je les ai, ceux-là, c'est vraiment beau. 58 et 32. Merci beaucoup. Voilà. Bonne journée. Ah, je suis excuse-moi, une question. On était en train de... Pose la question, je crois. On se pose des questions en voiture, puis on se demandait si tu étais dans... Si tu pouvais être un gars, une journée, ouais. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu as envie de faire si tu étais un gars? Si je serais un gars, je ferais l'amour à une fille. Oh! Cool. Ah bon, OK, je me sentais mal, j'ai dit la même chose, moi, si j'étais une fille, mais... On a une question pour vous. Une journée, dans la peau du sexe opposé, vous feriez quoi? Une femme, je te croiserais. Ah, hey, ça, c'est beau! Oh, c'est très bon!